peut entreprendre dans tous les domaines. Ne pas se dire que, voilà, je suis passionnée, peut-être, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a des personnes qui disent que non, ma passion ne mène à rien. Non, 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 non. Il y a des personnes qui disent que je suis passionnée de musique, mais je ne peux pas chanter. Chanter, tu peux manager, tu Voilà, peux. donc, il y a tellement, tellement, tellement d'options. Donc, c'est pas, on peut vraiment être passionné de quelque chose, mais le talent se trouve ailleurs. Fumerie Family, je suis très heureuse de vous revoir et merci de rester connecté à la chaîne qui met en valeur les afro-entrepreneurs et l'afro-life sous un autre angle. Aujourd'hui, je suis avec une jeune entrepreneur, une femme dynamique, une working mom. Elle s'appelle Perrine Boyom. Alors, si tu souhaites suivre son regard, c'est tout de suite. Bonjour Perrine. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de te voir aujourd'hui pour qu'on puisse faire cette vidéo toutes les deux. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire quelques mots à ton sujet? Voilà. Je suis ravie également d'être avec toi aujourd'hui. Voilà, je suis Perrine Boyom, entrepreneur, maman. Et je suis maman de deux enfants. Je vis en Allemagne et je suis camerounaise. Donc, je suis entrepreneur depuis plus de 5 ans et j'entreprends dans le milieu de la beauté en général. Donc, voilà, j'ai créé ma marque de cosmétiques il y a exactement 2 ans. Lola Cosmétique, et autour de ça, en fait, j'ai tout un univers autour, j'ai tout un univers dedans, c'est-à-dire que il y a le maquillage, les soins de la peau, du moins les soins esthétiques en général et également cosmétiques. Ok, waouh, donc toute la gamme, c'est pour hommes et femmes ou bien c'est particulièrement pour les femmes ou... Pour le moment, les produits sur le marché sont des produits de maquillage. Donc les produits lancés actuellement sont des produits de maquillage, donc adaptés aux femmes. Le projet à venir, bien entendu, j'espère pouvoir toucher une plus grande population. Ok, bah, on croise les doigts et on attend. Hein. Et déjà, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat, à vouloir créer ta marque de cosmétiques? Quel était le déclencheur? Disons que je vais dire que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, peut-être sans le savoir, donc je ne savais pas exactement ce que c'était, vu que j'ai une formation en, je vais dire en informatique de façon vague, voilà, donc j'ai une formation, j'ai des diplômés, et j'étais appelée à travailler dans ce secteur-là, donc j'ai fréquenté normalement, et au moment en fait où j'ai eu mon diplôme pour aller travailler, j'ai eu une sorte de... du déclic dans ma vie, j'ai eu un événement malheureux. Et cet événement malheureux m'a permis en fait de me remettre en question. J'avais perdu un peu mes repères, j'avais plein de choses que je ne comprenais pas, j'avais l'impression de pas être à ma place, j'avais plein de choses qui n'allaient pas en fait, qui ne tournaient pas rond. Donc ouais, voilà. Ça a chamboulé un peu ton... Voilà, ça a chamboulé mon monde tout entier. Donc voilà, en ce moment-là, à cette époque-là, j'avais... Je travaillais dans une société audiovisuelle de la place. Et je veux dire au Cameroun, bien sûr. Donc, je travaillais là-bas et déjà, j'étais même épanouie. Mais je me disais, voilà, bon, j'y vais pour le salaire et tout, au moins pour sortir de la maison. Mais comme je dis, avec cet événement-là, j'ai décidé en fait de tout arrêter du jour au lendemain. Comme ça, je n'allais plus. Je restais à la maison et... Étant à la maison, en fait, j'ai commencé à aller à la boutique de ma maman. Parce qu'il faut savoir que cet événement malheureux, c'est que j'ai perdu ma maman. Et l'ayant perdue, elle avait une boutique, en fait, une sorte de shop spécialisée dans les accessoires féminins, les sacs, les chaussures et tout. Donc, j'y allais, en fait, pour faire... je sais pas comment on appelle ça en français, j'oublie, en fait. Mais, en fait, avant de fermer une boutique... Il faut faire les inventaires, il faut faire des trucs. Donc j'y allais, en fait, voilà. Donc j'y allais, je faisais ça et tout en attendant, en fait, de voir comment ça allait se passer et tout. Donc je vais dire que peut-être j'y ai pris goût. Déjà parce qu'en fait, j'aimais ça puisque quand j'étais en vacances, j'étais avec elle, elle me laissait et tout. Donc j'aimais bien ce milieu-là. Et puis je me suis dit, ah bon,
pourquoi pas, vu que j'ai déjà mon diplôme en poche, je peux travailler à n'importe quel moment. Quand je voudrais, je pourrais avoir un travail. Mais je n'ai jamais retravaillé, en fait. Je n'ai jamais retravaillé. Étant là, j'ai essayé de creuser un peu. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aime vraiment faire? J'ai pas envie de m'ennuyer. J'avais horreur de m'ennuyer. Et j'ai commencé à acheter des petits trucs comme ça, dans le maquillage, dans la beauté. C'était vraiment des accessoires, des petits trucs de jeune fille que je replaçais et tout et tout. Et j'avais même pas de capital, mais peut-être on vous en parlera dans la suite. Mais j'ai essayé, en fait, je me suis construite, en fait, je vais dire, pratiquement toute seule. Et j'estime ne même pas encore être là où je souhaiterais être. Donc le chemin encore long, mais ce qui est sûr, c'est que tu es sur l'autoroute, quoi. Tu es en train d'y arriver. Alors, pour continuer, j'aimerais bien savoir pourquoi Lola Cosmétique. Pourquoi le nom Lola? C'est vrai que c'est un nom qui sonne un peu, qui sonne peut-être européen pour nous qui sommes africains, mais c'est un nom en fait qui m'a accompagnée, on va dire, toute ma vie. Déjà, je m'appelle Perrine, mais ce n'est pas, je peux dire qu'on a commencé à m'appeler Perrine quand j'étais à l'université. Ah, d'accord. Donc Lola, voilà, c'est ton sobriquet ou... Même pas mon sobriquet, parce que mon sobriquet est tout autre chose. Mais okay. Petit nom, là, en fait, c'était... Ma maman m'appelait souvent comme ça, de temps en temps, en fait, parce que j'étais déjà une fille, on va dire, coquette du genre. J'aimais me sentir belle, j'aimais me sentir... Voilà. Donc, ouais, c'est toujours du genre, ah, passe le temps à tourner tes fesses, du genre, et machin, ne fréquente pas, les trucs comme ça, là. Tu vois, un peu, donc, c'est un peu ça qui est resté. Et... quand j'ai donc créé ma première page Facebook, le nom c'était Les Petits Secrets de Lola. Donc je l'ai créé à l'aide, un ami m'a aidé à le faire. Et le nom c'était Les Petits Secrets de Lola. Donc j'ai fonctionné avec cette page, on va dire quoi, 3 ans, de 2014, 2015, 2016, jusqu'en 2017, où je décide de créer ma marque par le biais d'un laboratoire situé ici en France. Donc quand je décide de créer ma marque et que j'en parle à ma petite communauté sur internet, quoi de plus normal, en fait, parce que la majorité ne connaissait même pas mon prénom. Peu connaissaient, en fait, que je m'appelais Perrine. Et c'était logique pour moi. Ça n'avait pas de sens d'aller dire peut-être Perrine Cosmétique ou bien Boyom Cosmétique. Pour moi, c'était en fait une évidence. Donc je me suis dit, voilà, ok, pourquoi pas Lola Cosmétique, vu qu'on me connaît déjà comme ça. Et puis ça va continuer, et encore jusqu'aujourd'hui, malgré que mon profil, on va dire quoi, mon profil en tant qu'entrepreneur sur les réseaux, c'est Perrine. Beaucoup m'appellent encore Lola. En fait, peu m'appellent même Perrine, malgré que mon nom soit écrit. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un sobriquet, en fait, qui m'accompagne depuis des années. Et puis, bon, c'est un peu difficile de s'en défaire. Perrine alias Lola. Voilà. Quels sont les produits phares? Qu'est-ce qui marche le plus d'après toi? Quels sont les produits phares de Lola Cosmétique? En parlant de Lola Cosmétique, la marque, les produits phares sont les fonds de teint. Déjà, il faut savoir que la gamme a 5 produits principaux. Aujourd'hui, 6. Parce qu'en fait, au départ, c'était 5 produits. Mais en grandissant, nous sommes déjà à 6 produits. Notamment, les fonds de teint qui sont en 2 versions. Donc, 2 versions de 8 références chacune. 8 références 8 couleurs. Donc 2 versions de fond de teint, crème et liquide et fluide, poudre matifiante, anti-cerne, rouge à lèvres et les faux cils. Donc les faux cils, ça fait à peine 8 mois qu'ils ont été lancés. Donc voilà les 6 produits de la marque. Mais ceux peut-être qui marchent le plus, je parlerai des faux cils, des rouges à lèvres aussi et du fond de teint fluide. Bon, je me dis que le fond de teint fluide, en fait, il passe beaucoup plus, peut-être parce que c'est un peu plus facile d'usage. C'est ce dont on a l'habitude. Les femmes, en fait, se reconnaissent beaucoup plus avec celui-là. Donc, mais il est tout aussi bien que le fond de teint crème. Voilà. Si vous avez besoin de faux cils, de fond de teint anti-cerne, que ce soit fond de teint liquide ou crème, vous savez déjà qu'il y a Lola Cosmétique. Et pour ceux qui sont en Allemagne, bien, comment, où est-ce qu'on peut acheter ou se procurer les produits Lola Cosmétique, justement? Bon, uniquement en Allemagne. Donc, en Allemagne, les produits... Bon, nous n'avons pas encore de base fixe en Allemagne. Donc, les produits viennent de la France, du laboratoire français. Ils sont disponibles ici, là, dans une boutique en ligne sur Instagram. Donc ça veut dire que quand vous commandez via le compte Instagram ou encore le compte Facebook, vous pouvez être livré directement chez vous par la poste.
Donc, mais si vous êtes au Cameroun, le siège de la marque, il est à Yaoundé. Et la marque est représentée également à Douala, dans les deux grandes villes, à Yaoundé et à Douala. Donc, à Douala, nous avons deux points de vente, à Issos et à Oudia. Et à Douala, nous avons le point, je ne sais pas si j'ai dit à Douala, en fait, je voulais dire en fait que à Yaoundé, nous avons deux points de vente. Et à Douala, en fait, l'autre point de vente, c'est à Accra. Accra. Donc, Douala, Accra, Yaoundé, Essos et Oja. Accra chez Nyanga. Donc, en fait, c'est des chez représentants de la marque Lola Cosmetics. Donc, si vous êtes à Douala ou à Yaoundé, vous savez déjà où vous procurez les produits Lola Cosmetics. Si vous êtes en Allemagne ou bien si vous êtes en France, vous serez obligé de passer par sa page Instagram pour pouvoir commander et vous faire livrer chez vous. Donc c'est aussi simple que ça. Je mettrai le lien de ces pages Facebook et Instagram sous la barre d'informations. Comme ça, vous pourriez avoir accès à son compte, tout simplement. Donc, vous poursuivre l'interview. Oui. Si tu pouvais décrire ta marque en trois mots, ce serait quoi? S'il fallait décrire la marque en trois mots, je dirais premièrement jeune. Parce que c'est une marque, en fait, qui s'adresse à tout le monde. Donc, jeune, pas dans le sens de l'âge, mais jeune parce que, en fait, c'est une marque qui s'adresse à toutes ces femmes qui aiment être belles, qui aiment être toujours bien mises, peu importe l'âge. Donc, forcément, quand vous êtes bien mise, on dit, ah, elle paraît plus jeune, exactement. Elle paraît plus ci, elle paraît plus ça, voilà. Donc, c'est un peu plus dans ce sens-là que je dirais qu'elle est jeune. Une marque colorée parce que, voilà, le choix des couleurs, déjà, pour le rouge à lèvres, vous avez pu voir. Oui, donc, on a des couleurs vertes, les couleurs noires, couleurs rouges, hors de l'ordinaire. Voilà, dans des couleurs assez pétantes. Ouais. Donc, vraiment pour contenter le maximum de personnes. Et je dirais en troisième position que c'est une marque accessible. Accessible parce que, voilà, donc je me dis que pour un produit de maquillage de bonne qualité, parfois il faut mettre du prix. Et l'intention en fait de Lola Cosmetics, c'était vraiment d'offrir quelque chose de meilleure qualité, mais à un prix quand même abordable. C'est-à-dire que les produits ne sont pas bradés, c'est vrai, parce que beaucoup disent « Ah voilà, ça coûte un peu cher ». Bon, beaucoup, surtout dans le contexte du Cameroun, vu que là-bas, le coût de vie est moins, on va dire, moins grand, voilà, moins élevé. Donc, le produit est accessible partout, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. J'estime que pour un fond de teint vraiment de bonne qualité, qui est non comédogène, qui a des bases et des actifs d'origine naturelle, payer en fait 15 000 francs, c'est quand même un investissement sur soi. Donc, je me dis que voilà, c'est quelque chose d'assez accessible en fait pour la grande majorité. Je ne dirais pas pour tout le monde, mais pour la grande majorité. On va récapituler. Jeune, coloré et accessible, Lola Cosmetics. Et s'il fallait te demander, en tant que femme et mère, quelle était ta, pendant ton parcours entrepreneurial, quelle était ta plus grande difficulté? Ma plus grande difficulté, voilà, bon, j'en ai connu quelques, mais vraiment en tant que maman, l'une des grandes difficultés que j'ai eues, en fait, c'était parfois de ménir, en fait, de maintenir le cap, en fait. Je vais appeler ça comme ça, vraiment, de maintenir le cap. Pourquoi? Parce que j'ai lancé ma marque, par exemple, en 2017. Ma fille, ma première fille, avait juste 6 mois. Wow. Elle avait juste 6 mois. J'étais obligée de la prendre, de l'amener au Cameroun pour le lancement. Ce qui n'était pas très évident parce que, étant sur place, je n'avais pas vraiment quelqu'un qui pouvait m'aider. C'est vrai, bon, j'ai mes mamans de substitution, au Cameroun, qui m'ont beaucoup aidée. Mais à un moment donné, j'étais vraiment bloquée. Je ne savais pas où laisser la petite. Et encore que ce n'était pas si difficile que ça par rapport à ce que j'ai vécu plus tard, c'est que quand après ça, je suis tombée encore enceinte en 2018. C'est-à-dire que j'ai lancé ma marque en août 2017. Et déjà en 2018, mars, avril 2018, j'étais encore enceinte. Tout ça pour dire qu'avec les enfants, ce n'est pas toujours évident. Ils passent en priorité. Et parfois, on n'a vraiment pas le choix, on est fatigué et on se rend compte qu'on a vraiment tout donné à ce moment-là et qu'il faille en fait se reposer. Donc, c'est véritablement ça. Mais en tant que femme, pas vraiment, vu qu'aujourd'hui les femmes sont vraiment ancrées dans l'entrepreneuriat, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, l'entrepreneuriat, pardon, féminin prend vraiment de l'ampleur, ça tend vraiment à s'étendre et voilà quoi. Donc,
Ce n'est plus surprenant de voir une femme qui a tout abandonné pour suivre sa passion. Donc, c'est même plutôt en fait comme. En fait, je ne vais pas dire que ça devient monnaie courante, mais c'est encourageant en Ouais, c'est fait. Donc, encourageant. voilà. Donc, elles sont déjà nombreuses, nous sommes nombreuses. Et c'est plutôt une bonne chose en fait de voir des personnes avec qui on peut partager ses expériences et tout. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, nous sommes déjà nombreuses, plusieurs femmes et hommes à suivre leur passion, à entreprendre, à réaliser leurs projets. Mais pour ceux-là encore qui hésitent, qui n'osent pas, qu'est-ce que tu peux leur donner, entre guillemets, comme conseil, pas vraiment conseil, mais s'il fallait que tu puisses leur dire quelque chose pour les motiver, ce serait quoi? En fait, ce serait de leur demander en fait vraiment d'y croire. D'abord, de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat par phénomène de mode, de ne pas se dire que voilà, tout le monde entreprend, je veux entreprendre. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui te disent que voilà, moi je peux même pas, je peux pas me mettre là, je vends peut-être un crayon en fait. Tu veux dire, il y a des personnes qui n'aiment même pas ça. Donc, au-delà d'avoir en fait cette fibre-là, il y a des personnes qui n'aiment pas certaines choses. Et peut-être qu'ils se retrouvent. Parce qu'en fait, quand on dit une femme entrepreneur, il faut se dire la vérité. Bon, des femmes entreprennent dans tous les milieux, mais en général, c'est généralement le milieu vraiment très féminin, dans les milieux de la beauté et tout. Donc, ça veut dire une femme, tu peux se dire, voilà, bon, comme ma copine ou bien mon amie, elle vend, je sais pas, du moins, elle entreprend, elle peut-être a un petit commerce de maquillage et tout. Ah oui, ça vite, vite fait là, ça marche, il faut que j'aille faire pareil. Non. Si c'est en fait avec ce genre d'idée, je pense que ça ne marchera pas. Peut-être ça peut marcher, mais je pense qu'il y a de grandes chances que ça ne marche pas. Donc, mon conseil, en fait, ce serait vraiment de visualiser ce qu'on a envie de faire. De se dire, voilà, bon, même si je suis salariée, quelle est vraiment ma passion? Quelle est véritablement ce que j'aimerais faire? Et au-delà de la passion, est-ce qu'on appelle le talent? Parce que on peut être passionné de quelque chose, ne pas connaître en fait, ne pas avoir le talent en fait pour cette chose. Mais quand on n'a pas le talent pour la chose, ce qu'il faut, c'est de se former. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement aptes à certains, pour certaines choses, mais il y a des personnes aussi qui sont aptes C'est suite à vrai. la formation. Donc, ça veut dire qu'au-delà de la passion, il faut un talent. Donc, c'est-à-dire que développer ce talent-là à travers des formations, se rapprocher des personnes qui font pareil, se rapprocher des personnes qui ont entre guillemets réussi et avoir un mentor. Quand je dis un mentor, vraiment, ça n'a rien à voir avec les choses obscures ou quoi que ce soit. Un mentor n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez causer ou quoi, mais vraiment des modèles. C'est-à-dire que voir un modèle de réussite, avoir un modèle de réussite, se dire voilà, quand je vois cette personne, c'est vraiment la personne que j'aimerais être ou voir plus. Donc, c'est vraiment en fait ça, c'est un tout en fait. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un tout. C'est pas juste de dire que, ah, je vois cette entreprise, il y a l'argent dedans et tout. Non, 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 il n'y a pas d'argent à proprement parler dedans. L'argent, en fait, vient comme avec ton travail que tu fais en tant que salarié. Tu es payé au bout pour ce que tu as fourni. C'est-à-dire que si, au final, tu ne travailles pas, tu n'auras pas de paye, en fait. Voilà. Encore que dans l'entrepreneuriat, parfois, pour tout le travail abattu, tu n'as même pas ce qui est au niveau en fait du travail que tu as abattu. Donc, soit tu peux avoir, soit tu peux ne pas avoir, soit tu peux gagner, soit tu peux perdre. Mais en tout cas, tu apprends. Franchement, je te remercie pour ta réponse qui était constructive. Moi-même, ça m'a aidé pour vous dire. Donc, j'espère que chez vous aussi, vous avez appris de son parcours entrepreneurial, vous avez appris de la marque Lola Cosmétique, vous avez eu des réponses par rapport à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et tout à l'heure, comme on parlait de maman et d'enfant, je vais vous proposer une recette de lait de noix d'acajou. Je ne sais pas si tu Non, j'ai connais. pas entendu parler. Parce que souvent, on utilise très souvent le lait de vache, le lait D'origine animale. d'origine animale qu'on vend partout en grande surface, dans les magasins et tout. Mais c'est souvent bien de faire des laits soi-même pour donner à nos enfants des laits sains. Et puis, on sait ce qu'on met dedans avec la chaleur qui fait, ça fait toujours du bien. Donc, on se dit à tout de suite après le moment cuisine. Thank you.
purée d'acajou à la maison pour vos enfants et même pour les grandes personnes. Très intéressant, puis on a fait tester à mes filles également. Ouais. Elles vont aimer, j'en suis sûre, parce que même les miens ont déjà adoré la recette. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La vidéo tire déjà à sa fin. Je te remercie infiniment, Perrine, d'avoir répondu à mes questions. Et on se dit à bientôt. C'est quoi si tu as moi Non, je pense que tout a été dit. Non, je pense que tout a été dit, juste que je suis ravie vraiment d'avoir participé à cette émission. Mmh. Voilà, donc c'était vraiment un plaisir. Et juste encourager à continuer. Merci. Parce qu'en fait, on découvre beaucoup au travers de ta page. On découvre des entrepreneurs. On va dire peut-être pas locaux, parce qu'ils ne sont pas toujours au Cameroun, ils sont aussi ici en Europe. Mmh. C'est très intéressant en fait de voir des frères qui font autre chose et tout. Et ça nous permet en fait de nous soutenir entre eux. Exactement. Donc encore merci pour l'invitation. Non, c'est moi qui te remercie d'avoir honoré ta présence. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous dire ce que vous en pensez ou bien pour poser des questions que je reprendrai avec plaisir. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt.